La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est qu'elle n'est pas pour même qui remet l'évangile ou même qui cherche un sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est canal pas. Branchez et fait l'autre monde branché sur YouTube, live ou en replay. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient données aujourd'hui. Nous comptons pour nous présenter aux dernières émissions pour semaine ça du lait spirituel. Le lait spirituel est présenté par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste Coulonge, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Émission ça nous présente sorti lundi pour arriver vendredi et nous comptons parce qu'on fait émission ça, émission pao. On nous prie le Seigneur. Dieu grand et fort. Nous disons merci pour cette semaine et merci pour la dernière émission ça n'a présenté pour semaine ça. N'a pas aidé nous Seigneur pendant que nous avons un week-end devant nous. La vie famille nous dans main et nous gain assurance qu'on va continuer protéger nous. Si nous te font bagaille qui pas nous volontaires pendant semaine ça, nous demandons pardon et nous demandons au Seigneur aidez-nous pour nous tout ça n'a fait non qu'à glorifier. Béni émission ça, jodia et béni toutes amis qui prennent le temps d'émission ça. Dans le nom de Jésus, notre divin sauveur, nous prions. Amen. Job chapitre 7, verset 7. Rivé dans verset 10. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuit se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison. Et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. Amen. L'homme, selon Job. Job t'a souffri. Et Job te gagné 3 amis qui te viennent visiter. Premier ami à Eliphaz, te ba un long discours pour te blâmer Job de son sort, de ses malheurs. Et Job te répond pour te défendre son innocence. Job te critiqué Eliphaz et ses compagnons sévèrement parce que yo pas de compassion pour lui. Job te comparé Saul au sort de soldat, de mercenaire, d'un esclave. Job t'a souffri matin, midi, soir. Job te comprend que la ville amère est chargée de souffrance. Et Job, dans chapitre 7, verset 7, a continué.
Job bral tourner ses regards vers son Dieu. Job bral rappeler bon Dieu qui m'ont lié. Souviens-toi, dit-il, que ma vie est un souffle. La souffrance de Job lui ouvrit les yeux Job sur la vraie identité de Job et même de l'homme. Lorsque Job déclarait à Dieu que sa vie est un souffle, Job arrivait à comprendre à travers calamité Lio que la vie de l'homme est brève, que la vie de l'homme est courte. Et Job déclarait, souviens-toi que ma vie est un souffle. Puisque Job déclarait, ma vie est un souffle, Job comprend que l'est nécessaire pour le prendre congé de toute sa remet sous terre. Déjà, il prend congé de prospérité, de serviteur, de ses 10 enfants, de sa santé. Et Job comprend que, puisque l'issé au souffle, il va prendre congé sous terre. Job comprend que l'on pour y aller dans un monde invisible, dans une destination inconnue. Job dit dans chapitre 7, verset 8, l'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Job, il comprend que bon Dieu, à n'importe quel moment, capable mettez une fin dans la ville, est capable mener dans un autre monde. Job te comprend vérité ça à travers ses souffrances. Job, dans situation que t'y a avec ulcère ça qui était dans col, Job pas de espoir de guérison et Job te croit que seule délivrance que li gagnait de souffrance sa yo, c'est la mort. Et Job son désir c'est pour te mourir pour te capable finir avec souffrance. Et Job dit, bon Dieu, souviens-toi que ma vie est un souffle. Dans déclaration ça, Job montrait le dilemme de l'homme. L'homme, quelle que soit nationalité, quelle que soit connaissance, quelle que soit couleur, hôtel, quel que soit rang social, les gon dilemme qui devant,
c'est la mort. Dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Job dit, souviens-toi que ma vie est un souffle. Et Ecclésiaste en fait comprendre que dilemme l'homme, c'est parce que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Donc le souffle de l'homme, ce n'est pas l'homme qui gagne contrôle, ce n'est pas l'homme qui a dirigé, ce n'est pas l'homme qui gagne autorité, puissance, ce souffle ça. Parce que l'homme n'a pas gagné puissance sur le jour de sa mort. Donc, c'est gros dilemme l'homme, parce que l'homme paraît impuissant, incapable devant la mort. Parce que l'homme, non seulement il est un souffle, mais il n'est pas maître de son souffle. Dans Psaume 144, verset 4, nous lit. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Donc l'homme est passager sur la terre. L'homme est son voyageur sur la terre. Et Job te comprend cette vérité. Et dans Psaume 103, versets 15 et 16, nous lisons paroles sayo qui sortent dans la bouche de David. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Voilà le dilemme de l'homme. C'est parce que l'homme, c'est un souffle. C'est parce que l'homme est mortel. C'est parce que l'homme est impuissant devant la mort. Et Job comprend ça. Il dit, bon Dieu, souviens-toi que ma vie est un souffle. Bakone, comment était-ce? Est-ce que j'en pensais? Comme Job pensait que la ville c'est un souffle. La ville l'écoute. La ville l'y brève. Job comprend que c'est passé, la passé sous la terre comme un pèlerin. L'y en transit sous la terre. M'ta remè rappele ou jodi a ke votre vi li se un souffle. Un souffle ke ou pa gen kontrol li. Un souffle ke ou pa gen otorite sou li. Un souffle ke bon Dieu gen kontrol li. Et lorsque Job lui dit, souviens-toi que ma vie est un souffle, Job nan un dilemme parce que l'a souffri, une souffrance qui atroce,
Et Job, t'as remis bon Dieu qui gagne autorité sous la ville, t'as coupé la ville, arraché-la de la mort. Job te comprend. Il est un être qui est mortel. Il dit, souviens-toi que ma vie est un souffle. Lorsque Job fait déclaration ça, non seulement il connaît la vie est courte, la vie est brève. La vie a les passagères. Job comprend aussi que nous sommes être qui mortel. Pour Job, la mort est inévitable. Pas rien au monde qu'a fait pour éviter la mort. La mort est inévitable. Quel que soit être humain qui sous planète Terre ça, lui doit penser que lui pas qu'à éviter la mort. Si la vie est un souffle, elle est courte, elle est brève, elle est passagère, et si la mort est inévitable, l'homme a un choix pour le faire. Pendant la courte durée de sa vie, l'homme a un grand choix à faire. Parce que la mort est inévitable. Job est devant une incertitude. Parce que la mort est inévitable. Job a souffert. Et Job a préféré la mort. Qu'il te vive dans une souffrance qui semblait pas de gain fin à ses yeux. La mort est inévitable parce que l'homme est un souffle. La mort est aussi irrévocable. Pas de rien, un homme, si puissant soit-il, une femme, si puissant soit-elle, si riche soit un homme ou une femme, la mort est irrévocable. Pas une personne qui a bâillé une forte somme d'argent pour ne pas rencontrer avec la mort. La mort, non seulement l'inévitable, la mort, l'irrévocable. Et la mort, elle est certaine. Chaque monde qui vit sous terre, il y a 100% garantie que il va mourir un jour. Coton ti moun, coton jeune moun, coton adulte, coton moun âgé. Donc garantie la mort li à 100%. Et par conséquent, nous devons choisir en cette présente minute la vie et la vie éternelle. Parce que la mort li débouché sous la vie éternelle pour tout le monde qui croit en Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui, la mort li certaine. C'est certain m'a mourir un jour. C'est certain ou ap mouri un jour. Mais qui préparation nous fait pour
ce grand jour, l'on va rencontrer avec notre Dieu. Amos déclaré, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Job comprend que sa vie est un souffle. Job comprend qu'on préparation qui fait devant l'incertitude de la vie. Personne n'a pas garanti que sa la vie a réservé. Pour Job, t'es un pile surprise. La perte de sa prospérité, de ses serviteurs, de ses enfants, de sa santé, de son espérance, de sa force. Et Job t'a souffri avec un ulcère malin. Il t'a demandé bon Dieu la mort. Parce que la mort est inévitable, est irrévocable, est certaine. Et enfin, la mort est un rendez-vous. Nous avons tous un rendez-vous avec la mort. C'est un rendez-vous que nous ne pouvons jamais rater. Nous ne pouvons jamais en retard pour lui. Parce que c'est quel que soit côté nous y est, hein? La mort qu'a rencontré avec nous. Parce que nous c'est un souffle. Et non seulement nous c'est un souffle, nous pas mettre souffle ça, nous pas gain autorité sous lui, nous impuissons devant la mort qui irrévocable, qui inévitable, qui certaine et qui c'est un rendez-vous. Job lit en face incertitude, et la invité bon Dieu pour changer l'issue ou souffle. Il pas droit comment t'a guéri de maladie que t'es sous Paul. Et Job t'es préféré la mort. Non, mais t'as incertitude, ça. Mais le fait que Job, c'était un serviteur, bon Dieu, Job va arriver dans un point côté incertitude, lio, va transformer en certitude, en confidence, en assurance. Et dans Job, chapitre 19, versets 25 à 27, nous lis paroles de certitude sa yo qui sorti dans bouche Job. Mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. L'incertitude de Job fait place à la confiance de Job parce que son rédempteur est vivant. Parce que
livrerait un jour son rédempteur, livrerait de ses propres yeux. Et ou même qui a souffri, ou même qui a une incertitude devant la situation où trouve là-dedans, à tel point où tu as préféré la mort. Kitem dou, nous servons les dieux vivants. Nous servons les dieux qui a le pouvoir sur la maladie et sur la mort. Nous servons le Dieu qui nous est favorable. Et nous, quand tant que Job déclarait, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Oui, la vie, nous, c'est un souffle. Nous pas mettre lit, mais bon Dieu. Li se met souf sa, se li te metel, se li karitirel. El en ap marche avel. Mem loske nou ka soufri nan kosa, me randevou nou ak bondye. Mem la mor, pa ka empeshe jenwe sove. An nou fel konfians. À nous marcher à lui et à nous vivre avec certitude. Je ne un jour et nous va face à face. Que bon Dieu aide-o. Que bon Dieu kembe-o. Que bon Dieu t'en décrit-o. Et que bon Dieu bon victoire sous difficulté yo, victoire sous maladie ou la sous souffrance ou, et que bon Dieu fait au plus que vainqueur, parce que rédempteur là, il est vivant et il est vivant au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse.